Et salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Captive Minecraft. Alors je suis passée sur la toute dernière snapshot, donc actuellement je suis sur la 14W33A. Et j'ai pas encore vérifié trop s'il y avait des bugs, il y en a quelques-uns qui sont liés à mon ressource pack, puisqu'il n'a pas encore été adapté évidemment pour cette snapshot. Par exemple les barrières qui ont un effet assez bizarre, mais bon c'est pas grave. D'autre part, je tiens plus mon épée, pareil, ben, c'est une nouveauté de la snap, enfin de la 1.8 en fait. Mais passons, c'est pas sur ça qu'on va se focaliser aujourd'hui. On va avancer un peu sur nos achievements. On en avait qui était accessible, à savoir Overkill, qui est le plus accessible qu'on a actuellement. Alors je me suis renseignée pour Sniper Duel et je remercie les personnes qui m'ont aidé à comprendre ce qui n'allait pas. En particulier Shide, il me semble que ce soit. Alors pourquoi est-ce qu'on ne peut pas. Alors normalement, le sniper duel, il suffit de tuer un squelette avec une flèche à plus de 50 mètres. Ça, je l'ai fait, ça n'a pas marché, mais c'était 50 mètres en hauteur. Et a priori, maintenant, et je crois bien que c'est que maintenant, parce qu'avant c'était différent, c'est seulement sur la longueur. Donc. Clairement, là, j'ai pas la place de le faire, donc on va attendre. Je pense pas que je puisse un jour le faire, mais on verra bien. Au pire, j'essaierai de trouver une snapshot où on peut. Enfin, je sais pas comment je m'arrangerai, mais faudra voir ça. Ça, on peut pas encore. Ça, on l'a déjà fait. On se dirigera vers ça un peu plus tard, mais on va commencer par Overkill. Donc, Overkill, il faut faire 9 cœurs de damage et pas 8 comme avant dans un seul coup. Donc, ça va pas être trop compliqué. Parce que déjà j'ai trouvé un zombie que j'ai récupéré, qui est juste là, c'était c'est le seul en fait qui est resté parce qu'il tient un nonos. Et alors j'ai planté un peu de canne à sucre, je vais la récolter, ça fait toujours plaisir. Hop. Là aussi ça a poussé. Voilà. Et donc à l'intérieur, voilà, j'ai aménagé un peu parce que maintenant que j'avais plus de place, et ben j'ai pu agrandir. J'ai viré une partie de la redstone parce que j'en avais pas assez sinon, donc j'ai refait tout le contour du plafond. Là derrière, je peux plus en mettre, j'en avais pas assez. Mais bon, c'est pas trop gênant. Je me suis fait quelques bibliothèques, donc j'ai farmé les vaches, vous voyez, il y en avait un peu moins, et la canne à sucre. Et donc on va utiliser, alors là il y a deux emplacements, on le voit pas parce que ressource pack pas adaptée, etc. Mais clairement on a deux emplacements. Donc on va voir ensemble comment ça fonctionne. Faut déjà savoir que pour ceux qui ne connaissent pas, je vais juste faire une petite parenthèse histoire de resituer la chose. Maintenant la table d'enchantement a deux zones. Dans une on va mettre du lapis. Dans l'autre, on va mettre l'item. Par exemple, je me suis refait une pioche en diamant. On va mettre cette pioche-là. Donc vous voyez, j'ai trois enchantements, mais je ne peux pas les voir. Pour l'instant, je mets le premier, j'ai accès à celui-ci, qui va me coûter un niveau, bien qu'il faille que je sois au moins niveau 7 pour le débloquer, et qu'il y ait les bibliothèques autour pour débloquer un niveau 7. Et je vais avoir Unbreaking 1. Là, je vais avoir Fortune 3, non, Efficiency 3 et Fortune 2. Pour les débloquer, il suffit que je rajoute du lapis, que j'ai le level adéquat. Mais ça va me demander que 3 niveaux d'enchantement pour l'avoir, et la 2, la 1. Et si je me dis, ouais, mais ça me plaît pas, je vais l'enlever et la remettre. Ça va être les mêmes. Et même si je change, ça va encore être les mêmes. Donc, ce que j'ai fait hors caméra, c'est que je me suis enchanté plusieurs épées en pierre. Et ce que j'ai pu constater, c'est que si on met une épée en pierre et qu'ensuite on met une épée en diamant, ce sont les mêmes enchantements qui vont apparaître, mais avec des valeurs différentes. Par exemple, ici, je vais mettre mon épée en pierre. Donc là, elle me propose Sharpness 1, Fire Aspect 1 et Smite 4. Si je fais ça, j'ai Sharpness 1, Fire Aspect 1 et Smite 4. Donc des fois, les valeurs changent, des fois pas. Là en l'occurrence ça n'a pas changé, tant mieux, enfin tant mieux, peu importe. Et donc je vais pouvoir avoir les mêmes enchantements mais sur une épée qui est du diamant quoi. Donc déjà elle a plus 7 d'attaque alors celle-ci elle a que plus 5. Donc je vais me faire le Smite 4, vous allez comprendre pourquoi, ça va me coûter que 3 d'enchantement. Hop, je récupère ça. Ah bah elle a eu que Smite 4. Et ça va être pour tuer mon ami, enfin mon ami, mon ennemi, le zombie. Parce que pour faire les cœurs de dégâts, bah j'ai besoin d'une épée puissante qui fait smite si possible. Bon, 4 c'était pas nécessaire, mais bon, là je suis tombée sur le 4. Voilà, là j'ai l'achievement overkill, donc je peux le finir tranquille.
Je vais me récupérer le petit nonos. Et pourquoi est-ce que j'en ai d'autres? Parce que les précédentes, j'ai essayé et Smite n'était pas proposé. Or, comme j'ai eu que du Sharpness et qu'avec Sharpness, c'est plus aléatoire de le faire. Enfin bref, toujours est-il que voilà, je me suis fait ça en diamant. Là, j'avais eu Sharpness, Ben of Arthropod, x2. Donc ça, c'est fait. On a notre épée en diamant. On a l'achievement Overkill. Donc, les limites ont été repoussées. Est-ce que ce coffre-là est accessible? Oui. D'accord. Iron, Snow, Lapis, Emerald, Mycélium. Pourquoi pas? Oui. Il y a un autre coffre qu'on peut aller voir aussi, que j'avais complètement zappé la dernière fois. Mais on va regarder les achievements avant, parce qu'on a un achievement. Ouais, mais... peut-être que ce qu'il y a dans le coffre pourra m'aider. Alors, dans le doute, je vais aller voir. Dans le coffre, c'est le coffre qui se trouve à côté du spawner de Silverfish. J'ai pas creusé depuis, j'ai fait très peu de hors caméra finalement. Parce que, pas le temps. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis en train de faire un event qui dure une semaine. Du coup, je suis un peu prise. Oh, un squelette. Descends si tu l'oses. Hop. Tu n'oses pas, hein? D'accord, c'est pas grave. Hop. Hop. Hop, voilà, lui il est mort. Il y a un deuxième là. Comment j'ai fait pour le louper là? Voilà. On va monter un peu, éclairer tout ça. Oui, là, ce sera... hop, hop, hop. Je n'ai pas de torche. D'accord. Il n'y a pas... un peu de charbon, quelque part. Il y a du lapis, on s'en fiche. Là-bas, c'est de l'or. Il y a du charbon. Hop. Voilà. J'entends les squelettes. Ouais, c'est peut-être moi. Non, il y a des squelettes quelque part. Faudrait que je creuse un petit peu la zone pour me rendre compte vraiment de ce qu'il y a autour. Hop, 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 hop. Ah oui. Et on va éclairer ici. Oh, c'est sympa la zone. J'entends des bruits de mobs partout. C'est pas censé... oh, c'est joli. Il est pas censé pouvoir spawner. Bref, allons voir ces silverfish. Alors, ils sont là. On va y aller par au-dessus. Ce sera peut-être un peu plus sécurisé. Si, c'est jouable. Au revoir la torche. Évidemment. Donc, j'ai du sable? Non, j'ai pas de sable. On va essayer de trouver un endroit. Pas celui-ci. Ah. Si je fais ça. Voilà. Là, ça devrait être mieux. Hop. Hop. Et hop. Donc là, on n'a plus qu'à aller les frapper un peu. Mais j'ai peur que trop de blocs se cassent en fait avec, avec ces bestioles. Pourquoi je n'arrive pas à les frapper? Allez, venez, venez.
Ah, il n'y en a plus que deux, ça va quoi. Ouais, alors il y a des textures avec le changement de version, elles sont devenues n'importe quoi. Hop, toi tu viens là. Toi tu viens là. Toi tu viens là. C'est pas que, mais j'ai pas spécialement envie de finir dans la lave. Que je peux récupérer. Il y a partout. Hop. Hop. Voilà. Et donc, il n'y avait pas un coffre ici? Non, il n'y avait que ça. Mais au moins, on a un petit accès. Encore un, deux objectifs, peut-être trois, pour qu'on puisse sauter là-dedans. Trois objectifs, ça va pas être simple. Alors déjà, on peut sortir de là, ça c'est cool. Oh, il y a plein de choses. Plein de choses, plein de choses, mais avant, on va monter un peu. Hop là. Faudra vraiment que j'aille creuser, voir d'où viennent tous ces bruits. Doit encore y avoir des choses cachées. Ils ont caché tellement de choses dans cette map. Et voilà. Lui, il est toujours là. Poulet, piou! Alors, quoi d'autre? Eh bien, on va essayer d'enchanter la pioche, hein, pourquoi pas. Je crois que j'avais eu des bouquins. Looting et fortune. Fortune 2, est-ce que c'est intéressant? Je sais plus ce qu'elle me proposait là, avec la pioche. Unbreaking, efficiency. Ouais, unbreaking c'est bien, mais efficiency c'est mieux. Peut-être enchanter celle-ci, pas super, super. Efficiency 2. Ouais, la juste efficiency 2. En fait, j'aurais pu laisser le lapis d'ailleurs. Ah oui, j'ai plus les levels. Fortune 2, efficiency, unbreaking. Allez, je vais me faire quelques levels rapides. Alors, comment je peux me faire ça? Des levels rapides en faisant chauffer les choses. Minerai, minerai, est-ce que j'en ai? Non, je n'ai pas de minerai à faire chauffer. Alors. Oui, non. La solution de facilité, mais qui rapporte pas grand-chose, ça va être ça. En attendant, j'ai combien de fours? J'en ai un seul. Ça va être vite vu. Hop. Charbon, charbon. Cobble, tu remontes. Le poulet, oui. Il n'a pas chauffé. Il faudrait que je change ça. Voilà. Bon alors, en attendant que ça chauffe, ça me fera pas tous mes levels. Après, j'irai peut-être reproduire. Ouais, je vais reproduire des animaux. Ça pourrait m'aider, ça. Hop, hop, carotte. Hop. Les cochons. Les autres cochons. Non, sérieusement, venez. Et. Allez! Voilà, faites des petits. Et vous, pareil. Avec nature. Nature, c'est où? Minerai. Nature. Hop! On va mettre la canne à sucre. Poulet! Et piou piou piou. Hop là. Grave erreur. Désolé. Hop. Pousse, petit pousse. Bah non, mais pas comme ça. Bref. 29 et demi, ça avance plutôt bien. Et est-ce que j'ai de quoi nourrir les vaches? Je crois pas. Non, j'ai arrêté de faire de cultiver le blé.
Carottes, ça va dans nourriture. Stone, hop, loot, loot, c'est parfait. Toi, tu vas aller là, toi aussi. Lapis, je vais le garder pour l'instant. Ça vient ici. Mycélium, ça va dans stone et compagnie. Hop, je sais pas pourquoi j'aurais besoin de mycélium. Bon, enfin, c'est toujours ça, c'est cool. Ah, bah, je sais. Oui, non, plus tard. Bref. Ça, qu'est-ce que ça m'a donné? Ouais, c'est déjà ça. Alors, autre achievement qu'on peut réaliser. Celui-là, c'est bon, ça, c'est bon, tout ça, c'est bon. Celui-ci, ouais, celui-ci, on peut le réaliser. Alors là, ça va être faire une potion. Et la dernière fois, j'avais dit, ouais, mais les potions, il me faut de la Nether Ward, ce qui est faux. On peut créer des potions sans Nether Ward, donc je vais en faire. Avec, premièrement, ah bah, j'ai rangé la canne à sucre du coup. Pop, hop. Du sucre. On va en prendre deux. Donc là, j'ai déjà mis les bouteilles d'eau. Je vais mettre ça. Ensuite, on va se faire un œil d'araignée fermenté. Donc pour ça, vous connaissez sûrement la recette. C'est comme ça. On va attendre que ça chauffe. Et une fois qu'on aura récupéré ça, on va pouvoir. Enfin, une fois que le sucre sera dans les potions, on va pouvoir mettre l'œil d'araignée fermenté. Qui lui va nous donner une potion de faiblesse, donc weakness. Hop, on met ça ici. No effect pour l'instant. Et ça va venir. Donc on aurait pu mettre d'autres choses, des blaze rods, du melon, je crois. Enfin, pas mal de choses. On n'est pas trop limité à ce niveau-là. Ce qui est cool. Donc efficiency, bah on va te finir, hein, toi. Allez, viens. On va chercher de l'or et de l'argent. D'ailleurs, j'ai récupéré un bloc d'argent, il pourrait me servir éventuellement pour un beacon, mais un seul, c'est limité. Ça, on peut pas recasser tout ça, c'est chiant. Hop, meurs. Y a rien à récupérer ici. Mais ils sont où les bestiaux que j'entends? À côté. Ah ouais, d'accord. Hop. On va faire ça. Ça me fera un peu d'XP. Et je vais aller voir pourquoi il y a masse de mobs à côté. Hop, toi pareil. En plus, ils viennent vers moi, c'est génial. Alors, je récupère ça. Je vais monter un peu. Ça a l'air d'être un chouïa plus haut. D'accord, bon bah. Hop, hop. Mais y'a quoi là, un spawner? Boum. D'accord, je suis dans une faille? Je suis dans une faille. Pourquoi pas? Enfin bref, donc j'étais pas venue là pour ça. Ouais, mon niveau 29, c'est bon, je vais. Enfin, mon niveau 30, je vais l'avoir. Donc je remonte vite fait. Je vais casser les escaliers, évidemment. Hop, hop, hop. On remonte par ici.
Allez, mon niveau. Voilà, niveau 30. Alors, on va mettre la pioche avec ça. Et on va voir Fortune 2, Efficiency 3, Unbreaking 3. Elle est cool. Donc, je récupère ça. Les levels, j'en ai 27. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux enchanter mon arc avec Punch ou Power. Va pour Punch. Ben voilà, Unbreaking 2, Punch 1, pourquoi pas. En fait, j'ai pas tellement de choses à enchanter. Est-ce que j'ai de quoi m'enchanter d'autres arcs? L'autre, c'est où? C'est là. Non, j'ai que deux ficelles. Pouf, pouf. Bon, on va essayer une épée, voir ce que je peux avoir. Toi, tu vas là. Sharpness 2. Sharpness 2 et Knockback 1. Pourquoi pas? Reviens là. Donc en fait, je voulais pas perdre mes levels. Mais c'est vrai que maintenant, comme on perd plus les levels avec la table d'enchantement, au final, c'est pas trop gênant. Toi, tu viens là, toi, tu montes. Alors, minerai. Reviens là. On va mettre ça en bas. Ça, je vais le mettre là en attendant. Redstone. Y a pas un coffre à redstone? Si, y a forcément un coffre à redstone. Nourriture? Non. Il est où mon coffre à redstone? Ouh, ça va pas ça. Bon, bah minerai. Toi, du coup, tu vas là. Toi, ici. Snow. Dans bloc, non, y a pas. Bois nature? Non. Comme stone? Bah, ça va aller dans stone. Hop, block of iron. Ça vient là. Loot, ça va là-haut aussi. Et nourriture, ça va à côté. Hop. Maintenant qu'on a tout ça, on va se faire un coffre. Donc, bois. Voilà. On récupère, on met ça là. Et ça va être le coffre mystère. Qu'est-ce que je fais? On va essayer quelque chose. Alors, je ne garantis pas de réussir. J'aurais même tendance à penser que je vais me foirer. Mais il m'a été demandé de tenter de faire un jump de là-haut. Je sais plus c'était quoi la distance exacte, mais je vais me mettre assez haut comme ça. Je pense que ce sera bon. Sur un bloc de slime. Donc on va essayer, on va voir si on y arrive. Alors, je vais voir si j'y arrive. Ah, je pense que ça va être bon d'ici. Oula. Alors le bloc est là. Techniquement, moi je devrais atterrir là si je tombe. Donc il faudrait que je me décale un peu. Ouais. Bon, on tente. Hey, non, j'ai atterri dessus là. Je suis morte là. Mais je crois que si on atterrit sur le côté, ça marche pas. C'est déjà arrivé, je sais plus à qui. Ouais, si on arrive sur le côté du bloc, ça marche pas. Bon, je vais réessayer. Ouais, j'ai avec ça comme stuff. Pouf, pouf. Je vais réessayer, mais en atterrissant en plein milieu du bloc. Il me reste quand même 7 levels. Hop, on remonte, on remonte. Un autre défi qui m'a été proposé, c'est de la construction. Alors comme ça demande un peu plus de temps hors caméra, à moins que je fasse de la construction filmée, mais j'aime pas trop parce que je suis très indécise. Donc ça, je le ferai plus tard. De toute façon, il reste pas beaucoup d'épisodes, donc je vais pas avoir trop le choix de l'épisode où je le fais. Mais je n'oublie pas. Hop. Ouais, non, j'arrive pas. Je tombe sur le coude. Bon, voilà. Alors, pour moi, je sais pas si on peut dire qu'il est réussi ou pas, parce que je suis quand même morte, mais d'un autre côté, je suis pas morte à cause de je me suis foirée. Enfin, je suis morte parce que le bloc il est mal géré. Allez, foutez le camp. Alors, toi. Désolée. Ah bah toi t'es coincé, tant pis.
Punch. Hop, je récupère ça, ça. Tout ça, on monte, on s'en fout. Les épées, on s'en fout. La pioche, elle est bof. Comme il faut la finir, celle-là, elle est cool. L'épée, elle est cool aussi. Stuff, je reprends. Et les côtelettes. Bon, bah voilà, je crois que je suis pas mal. Je pourrais. Mais vous avez fini de pondre des œufs tout le temps? Merci. Je crois que j'ai pouvoir bientôt avancer. Ah, je sais, je sais, je sais. Ce qu'il me reste. Hop. Voilà. Donc, les potions de weakness, ben, je les garde. De toute façon, je pourrais les remettre au besoin. On s'est un peu agrandi. Il nous reste quoi? Localiser l'end. Eh bah, je vais farmer les Undermen. Hein. Je vais creuser un peu, je suis sûre qu'il y a des trucs qui sont cachés, je sais pas où, dans la map. Donc je vais creuser tout ça, et puis on se retrouvera au prochain épisode avec un peu plus d'affaires. Ah, c'est gênant quand même de tenir l'épée comme avant. Bref, moi je vous dis à la prochaine. Voilà, ciao, bye bye.